Et bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle édition de La Collab. Avec un nouveau guest, et pas n'importe lequel, puisque c'est notre premier et unique peut-être. On ne pouvait pas terminer la saison sans inviter Caius Lupus Maximus. Alias Julien, qui va évidemment se présenter et qu'on est très content d'accueillir sur cette émission. Ouais, c'est cool. Bonjour Julien. Bonjour. Fais-nous un petit topo. Alors, pourquoi tu es là? Qui es-tu? Et à quoi on va jouer? Alors, je suis Julien Allot, délégué régional pour la Fédération Corse Normandie et donc collègue de Laurent. C'est la CoCollab. C'est la CoCollab. Le projet Collab, c'est quelque chose que je suis depuis le début. On en a pas mal échangé. C'est vrai que j'étais votre premier follower. Absolument. Un des rares qui nous regardait en direct sur Twitch quand on était sur Twitch. C'est ça, c'est ça. Quand Laurent m'a parlé de l'opportunité de proposer un jeu pour essayer d'identifier une compétence, en tout cas de travailler autour de cette notion de compétence, forcément ça m'a parlé. Donc voilà, naturellement, j'ai accepté ce principe. Et alors, pourquoi ce jeu? Eh bien, pour une raison assez simple, je voulais que ce soit un jeu de saison. Bio, circuit court, tout ça. Et je me suis dit, avoir une petite vidéo d'Halloween sur un jeu qui serait vraiment centré sur cette notion de choses qui font peur, mais qui sont en même temps sympas, avec un côté très ludique et... toujours en respectant le cahier des charges de la compétence, je me suis dit Luigi's Mansion, c'est un bon candidat, ça parle à beaucoup de gens, c'est un jeu intergénérationnel, c'est fondamentalement un jeu familial, c'est pas un jeu qui est très compliqué à prendre en main. Je me suis dit que c'était un bon outil peut-être à vous proposer en tout cas. Ça me met la pression sur le côté pas compliqué parce que je suis le néophyte de la bande. C'est vrai, moi c'est un jeu que je connais, que j'apprécie beaucoup, je trouve que c'est un excellent choix, mais Laurent ne connaît pas, donc ce sera l'occasion, hein, comme souvent. Quand je vais galérer, vous allez bien. C'était un petit peu l'objectif de cette proposition. Et puis il y a une autre raison aussi, Luigi, c'est un personnage qu'on voit finalement moins, il est toujours un peu éclipsé par Mario, hein. Mario qui est la super vedette de Nintendo. Et Luigi, ça a toujours été un peu le personnage secondaire. Déjà, si on reprend dans l'histoire de Nintendo, hein, fin des années 70, début des années 80, se pose la question du multijoueur hein, déjà. Et puis on invente un deuxième Mario qui sera vert, et donc ça nous donne Luigi peu à peu. Et Luigi a rarement eu des jeux à lui. On a toujours mis en avant Mario, mais rarement les autres personnages, en tout cas jusqu'à la fin des années 90. Et puis au tournant des années 2000, eh ben, Luigi bénéficie de quelques jeux pour lesquels il est un petit peu la star. Et Luigi's Mansion, c'est un de ces jeux-là. Qui sort, alors il y a trois hein, Luigi's Mansion, il y en a un pour la GameCube, un autre pour la console portable de Nintendo, et puis ce troisième volet qui est sorti en 2019, de mémoire, le jour d'Halloween, justement. Okay. Et donc c'est plutôt sympa, et puis il a un trait de personnalité qui est essentiel à ce jeu d'Halloween. Luigi, tel qu'il a été défini, son trait de caractère... dans ce jeu, c'est qu'il est un peu couard, un peu peureux. Et comme on est dans une ambiance un peu cartoonesque, ça fait pas si peur que ça. La peur augmente parce que justement, il a ce comportement un peu peureux et ça rend la scène un peu peureuse et en même temps très humoristique. On va retrouver des traits de personnalité qu'on pourrait qualifier de, je sais pas, très proche de Chaplin par exemple. C'est un personnage qui ne va pas parler pendant tout le jeu. Il va s'exprimer par des borborygmes, par des onomatopées, mais ça s'arrête à ça. Donc il a un côté très, ouais, très Chaplin, il a un petit côté aussi Scooby-Doo, hein, Sammy, etc. Très maladroit, très peureux. De temps en temps, pour se donner du courage dans le jeu, d'ailleurs, c'est assez drôle, il va se mettre à chantonner la musique de fond du jeu, mais de manière complètement maladroite et tremblante. Alors ça t'embarque dans le jeu, ça donne une ambiance un petit peu sympa, donc voilà. C'est la raison pour laquelle je me suis dit c'est un bon candidat pour cette émission. Et du coup, on peut peut-être déjà un tout petit peu évoquer la compétence que tu avais dans le viseur avec celle-ci. Alors est-ce que je la définis dès maintenant? Ne la définis pas, mais peut-être juste précise-la, parce que comme ça, ça permettra... Tourne autour. aux personnes qui ont commencé la vidéo d'être attentives tout au long de notre partie, à quoi on va s'attarder? Regardez la richesse du décor.
Alors, on va rentrer dedans si tu veux qu'on regarde la richesse. En effet, c'est ça qui est drôle, c'est que tu nous dis, encore une fois, je connais le jeu, mais dur d'avoir peur dans un décor aussi coloré, aussi animé, aussi dessin animé. Mais oui, quand on focalise un petit peu, on voit qu'il y a énormément de petits éléments. Si tu te rapproches de l'aubergiste, là, on voit que derrière, il y a plein de petits casiers, il y a plein de petits éléments. Donc l'histoire, on a gagné un séjour, c'est ça? Alors, l'histoire, elle est extrêmement importante, effectivement. C'est toujours la même histoire avec Luigi's Mansion. On ne se casse pas trop la tête à innover de ce point de vue-là. Il a gagné un bon pour venir séjourner dans un hôtel de luxe avec tous ses amis. C'est pour ça qu'on va retrouver les Toads, on va retrouver Mario, la princesse Peach, etc. Et cet hôtel, il est structuré avec plusieurs étages. Donc il y a des chambres un peu partout, à tous les étages. Donc on est sur un monde qui n'est pas ouvert, hein, qui est complètement refermé sur cet hôtel, mais il va falloir explorer cet hôtel. Et donc on arrive, et l'hôtel semble tout à fait correct, même si les personnages semblent un peu bizarres, et il y en a un qui porte un masque. Et la papier. C'est pareil, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. En tout cas, moi, si j'étais Luigi, je serais inquiet, hein. Alors tu parles, t'évoques l'ascenseur et les différents étages qu'on retrouvera par la suite dans le jeu, mais on verra, dans le genre brillant, Nintendo nous habitue à avoir un gameplay brillant, là, la notion de niveau et d'étage, Chaque étage, c'est un niveau. chaque étage est un monde, on verra ça, je ne veux rien spoiler, mais ça, c'est aussi quelque chose d'assez fantastique, quoi. La mise en abîme de c'est dans l'hôtel que tout va se passer et à la fois on va quand même voir du pays, voyager beaucoup malgré le fait d'être dans un environnement clos. J'y joue beaucoup avec dans la famille avec une petite et c'est assez drôle parce que c'est un jeu qui reste collaboratif. On peut y jouer à deux. Alors pas au début, hein, il va falloir jouer pendant une trentaine de minutes pour découvrir vraiment les fonctionnalités. Il se passe 40 minutes pour découvrir l'ensemble du gameplay. Alors ce qui est plutôt intéressant et en même temps c'est assez pénalisant, c'est pour celui qui a déjà joué à ce jeu-là, comme il maîtrise le comportement du joueur, etc. Bah c'est assez simple, donc il faut donner la manette à celui qui ne maîtrise pas. Et là il va faire l'apprentissage petit à petit, alors c'est toujours très intelligent, hein, c'est Nintendo. Étape par étape, on va apprendre une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de nous déplacer et d'agir de manière cohérente avec notre environnement. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est par le côté collaboratif, dans un environnement qui est, moi je dirais, surchargé, hein. Il y a des choses partout. L'attention des deux joueurs doit se stimuler de manière réciproque. Et c'est grâce à ça qu'on va progresser efficacement dans le jeu. Tu peux jouer en solo si tu veux. Tu peux jouer en Ouais. solo aussi. Mais tu perdras quelque chose, Oui. d'après moi. Ben oui. Tu perdras tout le plaisir qui réside dans l'interaction, justement. Et il y a quelque chose d'important, je pense, dans le fait de pouvoir faire ce jeu en coop. D'accord. Souvent, quand on parle de jeu, on parle de défis, de challenges, de choses qui nous poussent un peu dans notre retranchement. Là, clairement pas. Là, on va être dans un jeu plutôt cool. Et ben, ça fait du bien, en fait, aussi. Ça peut être bien de Genre, temps en c'est temps d'avoir un facile. jeu. Ben, c'est facile. C'est même Oui. extrêmement facile. Tu peux le finir en une vingtaine Ouais. d'heures. En une vingtaine d'heures, tu as vraiment tout fini et récupéré tous les bonus. Donc c'est pas là que va se situer l'intérêt, c'est pas dans le challenge, c'est pas dans le défi. Donc je pense qu'on arrivera à illustrer ça tout au long de Mais l'émission. tu sais, ce qui est intéressant dans le caractère familial de ce jeu, je vous disais, j'y joue avec une petite qui a 8 ans. Donc qui développe en même temps ses compétences de joueuse. Et ce qui est compliqué avec ces jeux, on est sur un survival horror, hein, dans la construction. Donc on joue avec les deux joypads. Un pour donner la direction, l'autre pour se déplacer dans le décor. C'est l'apprentissage du déplacement en trois dimensions. Donc il y a énormément de compétences qui se développent chez le jeune joueur. Et ce qui est intéressant dans il y a cette notion de transmission de savoir, on l'a dit, il y a plusieurs étages. Le fait de jouer avec un enfant et un adulte permet pour l'adulte de répondre aux questions que se pose l'enfant quand il va avancer dans des environnements qui sont bien spécifiques et qui sont bourrés de références, des références artistiques, culturelles, historiques, C'est etc. ça qui est intéressant, il y a tellement de niveaux de lecture, C'est ça. c'est-à-dire, tu viens de le dire, mais je me permets de le répéter, d'insister là-dessus, c'est important. Il va y avoir des sources de questionnement possibles, mais parfois même sur des phénomènes naturels, sur des choses, voilà, qui relèvent de la connaissance, quoi, du développement de savoir.
il va y avoir des références très spécifiques, pointues, parfois même qui peuvent passer à côté pour les adultes, quoi. Oui. Cinématographique, si t'as pas la ref, bah, tu passeras à côté. Donc il y a vraiment ces différents niveaux de lecture, et si le gameplay est facile, eh bien la complexité peut être ailleurs, quoi. Et en l'occurrence, c'est dans la découverte de l'environnement. T'as eu peur? on est sur des environnements qui sont familiers. C'est-à-dire que se déplacer dans un hôtel ou pour les vacances, etc., on va se retrouver dans des environnements qui sont assez, assez traditionnels pour un enfant, des environnements qu'il a déjà traversés. Et donc sa capacité à... Oui, ça c'est bizarre. Sa capacité à résoudre des problèmes va être liée aussi à sa capacité à être pratique, à faire des associations d'idées pratiques. Je peux cacher des choses sous un matelas. Si je tire une chasse d'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu viens de faire. Bon, bah là, il y a un bras articulé qui sort, mais c'est Halloween en même temps. Tu vois qu'en ce début de partie, tu as des compétences qui sont finalement assez limitées. Tu as juste une lampe torche que tu avais dissimulée intelligemment dans ta valise. Et là, bah, tu es dans ta chambre, tu t'es réveillé, et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu sors dans le couloir. Parce que je suis courageux. Parce que tu es courageux, mais un brin fébrile quand même. Et là, on sent qu'il y a un truc qui n'est pas net. L'hôtel du repos éternel, c'est ça? Tout à fait. C'est assez bizarre. Hein. Ce qui était lumineux autrefois ne l'est plus trop. Cette manière de voir le personnage, c'est, qui claque des dents, qui est un peu fébrile sur son déplacement, tu vois bien que tu ne peux pas courir avec au début. Et c'est vrai que ce qui ne t'effraie pas, toi, à l'écran, tu l'as bien dit en intro, le fait que ton personnage, lui, oui, soit fébrile, ça te met dans l'ambiance. Ça te met vraiment dedans, quoi. T'es presque plus embêté pour lui, du coup. Et complètement. Et puis ça interagit, peut-être vous ne ferez que le voir, vous, à l'écran, mais quand on a la manette en main, il y a des comportements de Luigi effrayés qui sont des contraintes pour nous, oui, en fait. On veut le faire avancer, tout d'un coup, il est dans le recul, oui, voilà, il y a des... Donc ça nous le transmet. Il y a des moments comme ça, assez brillants, où ça alterne entre moments où tu joues et moments où tu es spectateur. Et je trouve que c'est ça qui est super avec ce jeu, c'est qu'il fait tellement de références en plus au cinéma, qu'il y a vraiment un équilibre très réussi entre tu joues, tu es dans l'interaction, tu es mobilisé, et tu regardes, en fait, parce qu'il y a plein d'éléments à l'écran, parce que le jeu, bah, vous le voyez, il est hyper léché, c'est très beau. On a l'impression de jouer un dessin animé. C'est vraiment ça. Oui. Hein. Plus que jamais dans l'univers de Mario, quoi. Et c'est, c'est la grosse plus-value de ce jeu, et puis qui est complètement léché. Les décors sont beaux, les personnages sont beaux. Enfin, c'est rond. Souvent, je me suis posé la question de dire quels sont les jeux qu'il serait intéressant de mettre dans les mains d'un jeune enfant sans rentrer dans des logiques qui seraient des logiques addictives, un peu contre-productives dans l'apprentissage du jeu vidéo. Et il y a toujours un côté très intelligent, très beau, très cartoon aussi dans ces jeux vidéo Nintendo. Et ça se prête bien pour les enfants qui ont, je sais pas moi, 7, 8, 9 ans, qui découvrent un peu. Hier, en préparant l'émission, j'ai beaucoup échangé avec la petite. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu retiens de ce jeu? La première phrase qu'elle m'a dit, c'est ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est qu'on a un coéquipier. Et puis quand on a un coéquipier, surtout ce que moi je fais, c'est que dès que je vois un méchant, je m'enfuis. Ça traduit bien le truc. Et tu peux jouer comme ça. Quel esprit d'équipe. Mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'elle capitalise sur les compétences de l'autre. C'est-à-dire que ça rentre aussi en ligne de compte de savoir quelles sont les compétences et la faculté du joueur avec lequel tu coopères pour t'appuyer sur sa force. Alors là, on est clairement sur le début du jeu, la découverte. Et oui, on s'est enfui face à ce roi Bou qui essaie de nous terroriser, et on se retrouve dans la buanderie. C'est vrai que c'est ça qui est marrant aussi avec la progression du jeu, c'est qu'au début, bah, t'as pas grand chose à part... tu vois des détails et tout, mais à part flipper, tu peux pas faire grand chose. Il lâche ça. C'est bon. Le petit chien va te donner des indices quand même. Mmh.
Lecto-chien. Ouais. C'est vrai qu'il te guide finalement, tu vois. Ouais, mais moi je m'en fous. Tu vois, ouais, ouais, ouais. Je vais te sortir, tu vois, regarde, reviens en arrière. Observe bien. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Et juste en face, il y a une pierre précieuse. Bah oui, mais comment je rentre? Ça, c'est la question. Que tu te reposeras un petit peu tout au long de... Je peux pas te casser. Et non. Et c'est un jeu qui va faire travailler ta mémoire, de ce point de vue-là. Ah, c'est-à-dire que tu vas être contraint de laisser des bonus. Tu pourras pas y accéder immédiatement. Il faudra y revenir dès lors que tu auras développé la bonne compétence qui te permet d'y accéder. Donc tu mérites un aspirateur. Tout est normal, hein. Un aspirateur sac à dos dans une vieille caisse. C'est ça. À côté d'une bureau. Tout va bien. Tout va bien. On appréciera qu'il n'y ait pas de placement de produit. C'est ça. J'aurais pu mettre une grosse marque. C'est un Dyson. Oui, c'est un cyclique. Et là, dans cette phase de jeu, tu vas apprendre à utiliser ton nouvel équipement. Flèche ou bien fantôme. Et ouais, là pour ceux qui n'avaient pas la rêve, on aspire un fantôme. Ça ressemble bien à Ghostbuster. Bon, peut-être plus friendly quand même. Parce que. Oui. C'est surtout le premier Ghostbuster qui faisait un peu peur hein, sur la fin. Ouais. Donc fort de ta nouvelle petite. Oui, pas mal hein. Le jeu récompense ta curiosité. Et tu veux acheter des trucs avec tout ça? Oui. Et ça c'est ce que la petite aime bien finalement dans ce jeu. Et là tu ne peux pas passer, faut que tu trouves un moyen de passer. Mmh. Et l'intelligence de Nintendo, c'est de tester ta capacité à maîtriser l'ensemble des fonctionnalités pour faire bouger un objet. Je pensais très pas bien encore. Ah bah non, tu as trouvé. Oui. Toute la pièce. D'ailleurs je me demande si Pavlov a pas travaillé avec un lecto-chien. Donc là, vous vous souvenez de l'introduction qui était très colorée. Ouais. On est rentré dans le hall de l'immeuble, il y avait de la lumière partout, des couleurs un peu vives, etc. Et là, on est dans le même hall d'immeuble après que l'onde ectoplasmique est tout recouvert. Ça, c'est si Laurent y avait été. Mais comme il prend la sens. Ok, je vais. Là, tu te dis déjà. Il y a un truc qui colle pas. Ouais, c'est pas bien que Nintendo fasse des croix sur ses personnages, c'est bizarre. Et c'est ça. Moi j'arrive dans un hall d'immeuble, je me retrouve avec ma carte d'identité en 4x3 avec une croix noire dessus. Et un aspirateur sur le dos. Ouais. Dans un endroit qui s'appelle le repos éternel, j'ai un doute. C'est ça. On dirait à certains fantômes, ils ont été chez les gens. Ah oui? C'est vrai que de ne pas jouer, ça permet d'apprécier encore plus le niveau de détail. Bim. C'est des boxeurs, hein, les fantômes. Tire dans le sens opposé. Et là, t'as découvert qu'il y a un petit score qui va dégressif. Ouais. Donc là, tu lui as retiré 29 points. Parfait. Respire. Et tu vas jouer avec le bouton. Voilà, encore une fois. Parfait. Et là, ça tombe à zéro, donc tu la captures. Et ça, c'est assez ludique. Les premiers fantômes sont pas très difficiles à battre. Tu découvres les fonctionnalités
été encouragé un peu. C'est ça. On a bien compris quand t'avais l'esprit de contradiction. De toute façon, j'ai pas la clé. Ah bah oui, il va falloir la trouver. Ah, cette scène-là, elle est géniale. Je sais pas si tu t'en souviens, Hélène. Avec une miroir. T'as un indice quelque part. Et faut vraiment être dans l'observation. Mmh. Ah ouais, c'est vrai. Pour le coup, merci de me l'avoir rappelé. Peut-être que tu l'avais pas vu. Hein. Non. Ah. Et ça, encore une fois, alors on le dit souvent dans les jeux. Hein. On a beau avoir fait un truc une fois, c'est pas parce que tu l'as déjà fait que tu vas te souvenir. Et c'est là que les gameplays sont brillants. C'est quand... Bah, tu peux revenir sur ce jeu-là et prendre pas le même plaisir que lors de la découverte, mais il y a aussi des rubis. Il y a un système de diamants, rubis, en tout cas pierres précieuses, on l'appelait comme ça, pour chaque étage. Et chaque étage a une collection de 6 pierres précieuses, à charge à toi de la retrouver. Donc on est vraiment sur la quête annexe. Hein, Il l'a vu. Bah, c'est bien d'avoir, c'est pas pour rien. Oh le blasé. Ah, le blasé. Ouais. J'ai le souvenir de la petite qui jouait avec moi. Et qui cherchait. Et, non, non, mais qui, quand elle découvre ça. Ah ouais. C'est plaisir. Bah, ouais. T'as le shoot d'adrénaline. Donc, ah, j'ai vu un truc qui était compliqué à voir alors qu'il était sous mes yeux. Alors, nouveau pouvoir. C'est ton révélateur de fantômes. C'est-à-dire que tu vas révéler les fantômes dans les... Ouais, ça va pouvoir à la fois concrétiser ce qu'il y a dans les tableaux et à la fois, quand il y a des fantômes qui sont invisibles, bien les faire apparaître. Alors, petit bond dans le temps, juste pour arriver au moment où, ça y est, sous vos yeux ébahis, on va pouvoir être en duo. En duo et en coopération, puisque il y a un alter ego à Luigi qui vient d'arriver là. J'ai Luigi. Luigi. Qui peut se profiler dans les endroits étroits. Ah, là, tu peux pouvoir... sauter d'un perso à l'autre. C'est ça. D'accord. Tu remarqueras que quand Luigi sort, il reste endormi. Oui. Quand tu joues en mode solo. Ouais. Pour pouvoir contrôler un des personnages, l'autre est mis en sommeil. D'accord. Donc il y avait ce... Ok, ce gameplay est prévu quand t'es en solo. Exactement. Non mais je t'appelle là. Je pense plus un peu où là. Oui, bah, t'es tombé dans l'eau. Alors du coup, on peut sortir de cette cage. Elle est libérée, Luigi. Il y a quand même un côté très mécanique dans ce jeu. Hein. Il y a toujours tout un système de poulies, de tuyaux, de... Bien joué. Oui, du coup, c'est chouette parce que ça te permet de jouer à deux. Et quand tu joues tout seul, ça, comment dire, ça met une petite, pas complexité, mais un intérêt supplémentaire à la mécanique de jeu. Quoi. C'est ça, il y a un petit gameplay, mais un petit peu différent. Mmh. C'est chouette. Tu peux pas faire en même temps, c'est l'un puis l'autre. Tu vas c'est ça. C'est exactement ça. Et quand tu es à deux, tu as deux compétences qui s'affirment en même temps et deux capacités d'analyse, d'observation qui vont se compléter. C'est un jeu, quand tu joues à deux, tu es contraint de discuter. Voilà. Tu te souviens ce qu'on a vu tout à l'heure, le fameux diamant? Oui, mais tu vas passer au milieu. Exactement. Ah, moi aussi? Non. Non, non. Toi, t'es en dehors. Ouais. Donc, on va ouvrir le coffre. Normalement, il suffit de le flash wheel. Avec le truc le compteur électrique sur ta gauche. Ah oui, bien vu. Mais... Ok, bien joué. Alors ce qui est rigolo en plus dans ce jeu, du coup, au-delà de la collaboration, c'est le fait que tu le disais tout à l'heure, Julien, la complémentarité. Le Luigi, la version fluide, va avoir ses propres faiblesses que n'a pas Luigi, mais des capacités que n'a pas Luigi. Et cette complémentarité-là, elle est sympa, parce qu'à un moment donné, il y a l'un des deux joueurs qui est nécessaire. Oui. C'est pas on joue à deux, mais il y en a un qui peut l'idée, qui peut tout faire. Non, il va falloir à un moment donné... Et puis là, on le voit avec cet exemple qui est plutôt intéressant. Tu vois, je suis confronté à, à ce diamant. Moi, je ne sais pas trop comment faire. Je commence à analyser la situation. Tu es plus rapide que l'autre joueur pour comprendre ce qui se passe. Tu as bien vu qu'il y avait un schéma électrique qui se dégageait pour pouvoir ouvrir la porte. Tu retrouves la boîte à fusibles. Mais du coup, c'est ça qui est sympa. C'est-à-dire que dans le jeu, chacun a des pouvoirs différents.
Mais à tout moment, tu le disais bien tout à l'heure, la communication, l'observation de l'autre va faire qu'il y a une complémentarité aussi dans le canapé, quoi. Et ça, c'est sympa. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas encore rentré dans l'ascenseur. Tout à l'heure, en tout cas, on n'a pas montré le scène d'ascenseur. Et ça, c'est assez rigolo, comme on peut le voir là. On n'a que certains boutons. On n'a pas encore tous les boutons, on ne peut pas aller où on veut. Et du coup, ces fameux boutons, en plus des pièces, des billets, de tous les joyaux dont on pouvait parler tout à l'heure, c'est ce qui va s'obtenir à la fin d'un niveau, c'est ça? Oui. Donc pour pouvoir passer au niveau du dessus, je ne crois pas que ce soit si linéaire que ça, dans mon souvenir, des fois on passe à un niveau, oui, c'est pas ça. Forcément celui qui est juste au-dessus, mais il va falloir compléter tout un étage afin d'obtenir le bouton qui permet d'aller ailleurs. Exactement. Ah, oui, bah laisse, oui. Oui, c'est insolide. Et on voit qu'il a des clés. Et surtout, un des boutons de l'ascenseur. Ah oui. Pour le deuxième étage. C'est vrai. Donc là, pareil, tu vois la caisse enregistreuse disparaître. Au début, tu t'interroges, tu dis, bah tiens, c'est bizarre, en fait, comment je fais, pourquoi elle a disparu. Et puis, c'est en testant plusieurs éléments, plusieurs objets, que tu arrives à en déduire que ton révélateur de fantôme te permet de faire revenir la caisse enregistreuse. Bah, c'est-à-dire que le jeu te guide sans vraiment te donner les éléments non plus. C'est quand même à toi d'aller chercher les mécaniques. Donc ça c'est intéressant, puis ça sera relié directement avec notre compétence du jour, mais il ne te prémâche pas le travail. Le gameplay est suffisamment intelligemment fait pour que ce soit à toi d'explorer. Allez. Alors là c'est tout bête, hein, mais je sais pas, j'ai bien été bloqué une dizaine de minutes avant de comprendre ce qu'il fallait faire. C'est vrai, moi tu me fais m'en souvenir, mais moi aussi je pense avoir été bloqué à l'époque. Tu vois Laurent, ce que ça va être? Ah, faut faire tourner... Non, ça fait pas. Eh ben, on va tenter en mode inverse. Peut-être que ça te fait mon sens. Alors, c'est là où il faut qu'on communique. Moi, je suis en train de faire propulseur. Là, moi, j'ai fait les deux, donc ça marche pas. Je fais propulsion et fais l'aspiration. Alors, je fais l'aspiration. Ouais, ça devrait être bon, ça. Voilà. Là, cette fois-ci, on va passer aux choses sérieuses. On a la grosse clé. Vous allez vous battre contre le policier? Oh purée, j'adore. On n'est pas sur un policier très téméraire, hein? Non, 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 non. Non, et puis, encore une fois, c'est l'esprit du jeu, tu vois. Un pistolet à eau. Pour contrer le Luigi, justement. Ah oui. Donc là, tu vas travailler sur la complémentarité. Alors, qu'est-ce qu'on a notre actif? Déjà, faut flasher. En général, faut flasher. Le problème, c'est que notre ami... Ah, une paire de lunettes. Eh oui, donc on peut pas. Et là, on voit que dans le haut de l'écran, Luigi sera seul. Oui. Merci. Mais je t'en prie. Alors, on a bien pu observer la complémentarité. Là, Eden m'a filé un sacré coup de main. C'est vrai que... Ah bah oui. Pouf, fantôme. Donc voilà, on vient de finir le niveau. Un étage. Donc on est dans les premiers étages, hein, ça reste un jeu accessible. On n'a pas encore été confronté à des grosses énigmes et des grosses difficultés. Mais on voit quand même que quand on joue pour la première fois, tu peux te retrouver confronté à des petits casse-têtes. Ouais. Le coup du coiffeur avec les deux hélices, ça va pas de soi. Hein. Non, ça va pas de soi. Ça te pousse vraiment à explorer. T'as vraiment... Alors, faut tourner, faut essayer, des fois faut même voilà, aspirer dans le vide et jusqu'à ce que tu aies un petit élément du décor qui bouge un peu et qui te mette sur la voie, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que quand on a discuté de Luigi, enfin de ce jeu, Luigi's Mansion, et de la notion de compétence, la première idée qui est venue, c'est la notion d'observation. Sauf qu'il n'y a pas que de l'observation. Ça va un peu plus loin que la seule observation. Ça aussi, c'est le talent de Nintendo. On n'en a pas parlé depuis le début de cette vidéo. La composition musicale dans chaque niveau, elle est vraiment chouette. Et là, on se retrouve dans une salle de concert. Vous allez voir une ambiance plutôt sympa. Donc, il va falloir que tu ailles l'aspirer. Exactement.
plaisir d'être en temps. Voilà, parfait. On est clairement sur un jeu qui est plutôt orienté sur les enfants. La découverte du jeu vidéo, l'exploration. Pour un adulte, ça devient, je pense, beaucoup plus automatique, la capacité à résoudre les énigmes. Pour autant, c'est toujours aussi agréable. Déjà, c'est un fantôme. Tu es un fantôme, refuse. C'est bien un piano méchant. Bah oui. Piano habité. Ok. Alors, il va falloir apprendre de nouveaux patterns là. Déjà, faut pas être dans la lumière. C'est ça. Tiens, t'as un cœur. Merci, mais je suis à fond. Pour l'instant. Et vous voyez, il génère une onde de choc qu'il va falloir éviter en sautant. Et c'est en ça que le jeu est plutôt intelligent. On est exactement sur la même dynamique que lors de l'épreuve du tapis. Et donc, il va falloir lui balancer ses bombes là. Exactement, il faut réussir à en aspirer une avant qu'elle n'explose, donc surtout pas maintenant. Ah, tu prends tout toi, balance, balance. Luigi, ce n'est pas en t'enfuir à toutes jambes que tu arriveras à le battre. Ouais, parfait. C'est bon, et d'un. Ah, il suffit d'une. Enfin, il suffit d'une pour déclencher ce truc-là. C'est ça. J'imagine qu'il faut trois, comme d'hab, quoi. Si j'étais toi, je la lâcherais parce que ça va se terminer. Voilà, exactement. Et maintenant, le processus habituel. Je vais m'en débarrasser. Bien vu. Ça y est, ça a des... Là, ça a été efficace. Ça. Mmh. Il passe ça. Parfait. Ah, ça devrait être le dernier truc, normalement. Oui. Et un petit cœur. Et maintenant, vous allez l'affronter en direct. On va flasher un peu au hasard. Il y a un coup d'avance avant. Joué. Ah là, voilà. Ah, tu peux récupérer. C'est bon, là. C'est bon, là. Magnifique. Bien, je passe la manette fort de cette réussite. Et nous voilà avec un nouveau bouton. Et ce niveau-là va être intéressant parce que on va clairement tester la complémentarité des compétences des deux joueurs. C'est un niveau, clairement, tu ne peux pas le faire tout seul. Contrairement aux autres, où le niveau sur le hall de musique et la scène musique classique, tu peux y arriver sans jouer à deux. Bon, genre, c'est impossible. Là, c'est impossible d'y arriver tout seul. Hein. Tu as besoin de Luigi en permanence. Ah oui, mais tu peux le faire en... Oui, mais c'est vrai que, par exemple, le boss du concert, t'aurais pu te foutre dans un coin, au moins dans un coin, oui, et oui. L'un des deux pouvait résoudre le truc. Quoi. Tout à fait, exactement. Et je vous ai parlé de la mécanique, y a ce côté-là, qui est un côté assez intéressant à travailler en termes de compétences avec les enfants. Des questions de poulie, de transmission de la force mécanique d'eux, etc. Et là, on est en plein dedans. C'est de la physique, là. Alors, c'est tout simple, hein. Mais il faut l'identifier. Faut l'identifier. C'est ce qui est là. Exactement. À gauche, là. C'est ça. C'est ça. Exactement. Toujours. Bah ouais, c'est vraiment génial pour les enfants. C'est même bien pour retrouver un peu l'enfant qui est dans nous. Parce que là, tout de suite, t'arrives dans un truc chevalier, château, machin. Ah bah, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Oui. Ah, celui qui me faisait pas peur. Oui, mais tu vas voir, celui-là, il est un peu plus retors. Parce qu'il a un bouclier. Et il va falloir qu'on trouve le moyen de l'arrêter. Voilà. Bien vu. Ah, vous l'avez vu la cible. La cible. Ah oui. Nous avons tout ce qui va bien. Ah, oui. Magnifique. La complémentarité est là. C'est beau. Mais c'est ce qu'on voulait illustrer. C'eût été dommage. Ouf, tu l'as eu. Il était en même temps. J'adore les spectateurs en pro-carte. Bravo, messieurs.
Ce que je vous propose, c'est peut-être pour se consacrer à, comme on en a l'habitude dans cette émission, à la compétence en fin de programme, peut-être tu nous remettes dans un endroit dans lequel on peut jouer un peu, nous, pendant qu'on t'écoutera attentivement. Ce sera tout à ton affaire. Ah ben, moi, je vous propose de continuer sur la même, ouais. Sur la même lancée. C'est-à-dire, là, aller découvrir un autre étage, peut-être. Ok. Il y a peut-être les compétences spécifiques qu'on va développer chez l'enfant, c'est ce déplacement dans un monde en trois dimensions avec les deux joysticks qui permettent à la fois de viser et de se déplacer dans l'environnement. Il y a aussi cette question de la déduction. Hein, on le voit à plusieurs reprises, on s'est retrouvé un petit peu bloqué. Donc ça, c'est des petites compétences qu'on va travailler avec les enfants. Il y a aussi l'effet gestion de la situation stressante. Ah, alors, c'est vrai. Je sais que tu es insensible au stress, cher ami, et tu l'as montré face à ce boss, mais il y a des situations pour un enfant où ça peut très vite être stressant. Tu as un chevalier avec un cheval qui te fonce dessus, ça peut vite être stressant, typiquement. Ou quand tu as une dizaine, une quinzaine de fantômes qui apparaissent. Oui, quand tu n'as pas l'habitude, c'est clair. Bah, c'est ça, comment tu gères ça? Donc ouais, il y a cette notion de coopération intergénérationnelle que j'ai trouvé extrêmement sympa à travailler avec ce jeu. Et puis surtout cette notion d'observation. On est dans des environnements qui sont clos, on est à l'intérieur de pièces qui sont très fournies, il y a énormément de mobilier, il y a énormément d'objets. Et chaque fois qu'on va voir quelque chose qui nous semble irrégulier, se cache potentiellement un trésor, un fantôme à aller capturer ou autre. C'est vrai qu'on est sur un jeu des 7 erreurs incarné, quoi. C'est un peu et ça, c'est super chouette. Donc il y a ta capacité d'observation à reconnaître, effectivement, à l'intérieur d'un jeu des 7 erreurs. Et on se rend compte que tout seul, c'est pas si facile. C'est bien de se faire aider. Et bien souvent, c'est l'enfant qui va aider l'adulte à résoudre une énigme, à trouver un bonus, etc. Donc ça, c'est plutôt les points forts de ce jeu. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Eden, mais Julien a mis un truc que je n'avais pas pensé, vachement intéressant, parce qu'au-delà de la compétence ou des compétences développées dans le cadre du jeu, son expérience de jeu, dans le cadre d'une approche aussi personnelle, avec, pour le coup, un enfant, et une mise en réflexion, réflexivité de ce que ça génère aussi comme compétence finalement parallèle à l'expérience de jeu en elle-même. Dans l'interrelation, et le jeu permet ça. Et du coup, c'est une facette qu'on n'avait pas forcément abordée encore. C'est vrai, et c'est là que c'est important de revenir là-dessus. Je pense que quand on illustre à chaque début d'émission pourquoi on choisit un jeu et pourquoi il est important pour nous, c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant. C'est que chaque expérience de jeu va être singulière, que chaque contexte dans lequel le jeu intervient va être singulier. Et ouais, c'est pour ça que c'est chouette d'avoir l'exemple de Julien, très spécifique, qui permet de révéler ce que ça ne révélera pas forcément quand on va aller jouer soit seul, soit avec quelqu'un d'autre qu'un enfant, quoi, pour le carrément. Et puis cet apprentissage de la manette, parce que je n'avais jamais compté le nombre de boutons qu'il y avait sur une manette, mais ça devient quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est un prolongement de sa propre main. Je suis fils d'agriculteur, hein, quand j'étais petit, je voyais mon père travailler avec un petit tracteur qui devait faire 80 chevaux et qui avait une fourche. Donc pour prendre, je sais pas, prendre des bottes de paille ou des choses comme ça. Et j'étais toujours fasciné de l'observer travailler sur cette compétence cœur de métier qui est déplacer un matériel qui est relativement volumineux, essayer d'être le plus souple possible, un, pour ne surtout pas casser le matériel, deux, pour être le plus efficace possible et donc gagner du temps. On est dans une logique d'entreprise, le temps c'est de l'argent. Et quand j'étais petit, j'avais l'impression que les manettes du tracteur, c'était le prolongement du bras de mon père. Je voyais mon père arriver, mettre en place la fourche dans le mouvement du tracteur pour prendre la botte le plus rapidement possible et aller la placer au bon endroit sans jamais faire d'erreur. Et finalement, un jeu comme celui-ci, et comme la plupart des jeux, hein, aujourd'hui c'est vraiment des compétences techniques liées à l'utilisation du bouton, à la synchronisation entre le moment où tu appuies sur le bouton et le moment où tu souhaites déclencher une action. C'est des compétences qui peuvent être valorisables assez facilement sur des métiers qui sont liés à l'usage de mécanique, de commandes numériques ou autres. Ah, oui. Et ça, c'est plutôt chouette à développer pour un enfant. Et puis enfin, la compétence clé, celle qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui, c'est la curiosité. C'est être curieux
être curieux, identifier, être curieux, tester et ne pas avoir peur d'être mis en échec par un test. En fait, on va générer de l'expérience. On va générer de l'expérience et on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et on va apprendre de nos erreurs pour ne surtout pas les refaire. C'est vrai que le jeu, on l'a un peu dit tout à l'heure, il ne te sert à rien sur un plateau en fait. C'est à toi d'aller tout chercher. Depuis le premier instant où Laurent, découvrant l'hôtel, il ouvre les portes des penderies, jusque-là, là, au moment où tu parles, on est en train d'essayer d'ouvrir des fleurs, on ne comprend pas trop pour l'instant pourquoi, mais on se doute qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à atteindre peut-être celle du dessus. Alors voilà, le jeu ne te prémâche rien, il te donne des outils, mais c'est à toi, par ta capacité d'observation et par ton envie de découvrir des choses, d'aller tester, d'aller chercher quoi. C'est exactement ça. Donc capacité d'observation, curiosité, la curiosité qui va derrière, et aussi la curiosité, l'envie d'apprendre. On a dit plusieurs salles thématiques, il y a 15 étages dans le jeu. Chaque étage a son propre thème, et tous les thèmes n'intéressent pas nécessairement. Mais un thème qui va intéresser va générer du questionnement chez l'enfant. Et si on capitalise là-dessus, bah c'est un super outil pédagogique en fait. Alors c'est complètement délirant, hein. C'est Nintendo, c'est Luigi, tout est tourné en dérision, on l'a vu avec la salle médiévale. En vrai, on est dans un parc d'attractions qui mime une époque médiévale. Mais ça permet quand même de transmettre des informations pour peu que l'enfant soit curieux et interroge. Je pense pas qu'il faille le faire à tout prix parce que c'est décourageant. Mais je pense que ça peut stimuler la curiosité de l'enfant par rapport à un environnement, par rapport à... Tu rejoins complètement. Il y a vraiment, on est sur une source, on est sur une source de stimulation, quoi, de tous les instants. Tiens, regarde ce que je t'ai révélé, Laurent, tu vas pouvoir te mettre dans cet endroit, et j'imagine apparaître là-haut, et on a la dernière fleur. Il faut la flasher, ce qui permet d'aborder la photosynthèse avec l'enfant. Exactement. Et voilà, un bonus. Et du coup, on a trouvé notre bonus. Ben en tout cas, voilà, hein, l'idée, je pense qu'on a su illustrer un peu tout au long de l'émission, et là, bah, principalement, grâce à toi, Julien, avec cette dernière explication, qui tombait bien en plus, hein, c'était un peu improvisé dans cette dernière salle. On ne saurait que trop le conseiller, ce jeu. Mmh. On l'a dit déjà, on s'est bien amusé entre nous, entre adultes. Pour le peu que vous ayez quelqu'un, un partenaire à qui vous aimez bien jouer à deux, bah, c'est un super jeu de coopération. Et puis, bah, alors, grâce à l'exemple de Julien, on a... vraiment l'exemple ultime avec un enfant, avec tous les supports et les sources de curiosité que ça peut représenter, ça fait une belle occasion quoi. C'est ça, je pense qu'un enfant à partir de 8 ans, là en l'occurrence elle a 8 ans, ça passe bien, c'est pas effrayant, il y a beaucoup d'humour en fait, beaucoup d'humour enfantin, et puis encore une fois c'est un jeu auquel on joue à deux. Et c'est du temps qu'on s'achète ensemble, des histoires qu'on se construit en fait. Partage, c'est du vrai partage. Ben voilà, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de moi et de mon expérience à l'enfant. En vérité, on n'est pas que deux à jouer à ce jeu-là. Hein. On est trois, il y a Léonie, la maman, qui joue avec nous, qui participe en fait à l'observation aussi, qui prend la manette. C'est vraiment des moments sympas, c'est les moments détente du mardi soir parce que le mercredi matin, il n'y a pas d'école. Donc on peut s'amuser à faire une petite partie d'une heure et jouer ensemble, passer un bon moment et découvrir des choses. Eh ben, merci beaucoup. Bah ouais, merci pour cette découverte et pour cette proposition, en tout cas une de plus. Ça nous commence à faire une jolie ludothèque. Et surtout, merci d'avoir honoré cette invitation, Julien. C'était obligé hein, qu'on finisse pas cette saison sans avoir au moins notre premier joueur qui sera un de nos guest stars de cette saison. Merci bien, merci à vous de nous avoir suivis et puis à une prochaine. Merci, ciao. Au revoir.